Hey! Si c'est la première fois que tu passes vers ma vidéo, sache que je fais une à deux vidéos par semaine, donc tu peux t'abonner et me faire des petits likes et des commentaires. Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous montre une courte vidéo. Je vous montre mes DP que j'ai terminés ou les accessoires que j'ai reçus dans la compagnie EasyWim et les DP que j'ai reçus aussi de la compagnie Pentmaster que j'ai terminé présentement. Je m'étais dit que j'allais vous les montrer en live faisant du DP tout en jasant avec vous, mais je me suis dit que je vais changer la donne. Vu que l'été, mes enfants sont avec moi, il y a beaucoup de bruit. Donc, je me suis dit que c'est moins intéressant pour le monde qui m'écoute. Donc, je me suis dit que je vais juste faire les DP hors caméra. Puis, je vais vous montrer les produits finaux. Et si vous aimez ça, ben je vais toujours faire ça. Je vais faire les DP hors caméra. Puis, je vais vous montrer le produit final à la toute fin. Alors, comme prévu, je vais commencer avec ma première boîte d'EasyWim que j'avais reçue. J'avais bien reçu un hibou et plein d'autres choses que j'avais déjà montrées, dont les petits ébans du frigo. Donc, je vais vous montrer le fameux hibou que je trouve hyper beau. Il est de toute beauté, regardez-moi ça! Hey, il brille de mille feux et il est de côté. Donc, vraiment, je suis, wow, estomaquée. Donc, comme mon fils, il dit, c'est pas EasyWim, maman, c'est Easy Wow! Donc, avec Easy Wow, moi, je trippe au bout. Regardez ça, il change de couleur! Oui, on peut aller du rose au turquoise. Ou là, aussi, tu peux changer aussi, juste dire une couleur. Mettons, là, je l'ai mis en rouge. Oh, c'est vraiment beau. Il est de toute beauté. Il brille. Et quand tu touches sur le derrière longtemps, il reste transparent. Donc, ça peut faire autant un beau bibelot qu'une belle lampe pour faire dodo. Oui! Je le trouve vraiment très, très joli. Oui. Oh, il est beau. Donc, si dernièrement, tu as vu ma vidéo de unboxing de EasyWim, la partie 2, donc au mois de juillet, hein, je m'avais tellement trompée, j'avais dit « Aou! » Donc, c'est la boîte de juillet. J'ai fait quelques petites choses dedans, pas tout, mais quelques. Donc, je vais vous montrer les broches, hein, les fameuses broches qu'on peut mettre sur nos vêtements. Oui, j'en ai trois. Puis, je me demandais aussi, là, pourquoi que j'avais genre trois pareils puis trois petits sacs. Ben c'est parce que oui, c'est trois pareils, mais trois couleurs différentes. Donc ici, on a le beau bleu. Il est vraiment beau, là. On a du blanc, du rose. Il est de toute beauté. Un beau mandala bleu. Donc, je sais pas c'est qui va l'avoir. Est-ce que c'est moi, mon fils ou ma fille? Parce que ça va être moi. Vu qu'il est bleu. Donc, le suivant, donc lui, il est mauve. Un beau mauve, là. Hein, on s'entend, je le recule un petit peu. Et voilà. Un beau, beau mauve avec du turquoise à l'intérieur, du blanc, des petites perles blanches. Oh, il est de toute beauté. Celui-là, ben, mauve, c'est sûr que ça va être ma fille. Donc, il est très, très joli. Ensuite, on a la version rouge. Oui, oui. Version rouge, rose et orange. Donc, je sais pas, peut-être, ma fille va peut-être en avoir deux, puis mon garçon, il y aura le bleu. C'est pas plus grave que ça, là. Mais ils sont vraiment très, très jolis et elles sont très brillantes aussi. Elles brillent. Là, moi, je les ai vernis. J'ai mis de la colle transparente dessus. Donc, ils sont... ils tombent à terre! Les diamants sont vraiment très, très collés dessus. Là, je peux plus les bouger. Et voilà! C'est très joli. Je trippe au bout. Wow! Donc, comme mon fils il dit, easy wow! Donc, ensuite, j'ai fait quelques petites toiles de Pentmaster. Donc, j'en ai fait trois.
Donc, je vous les montre tout de suite. On commence-tu avec lui? Oui, on va commencer avec lui. Chucky! Ah, il est vraiment beau, le Chucky, là, on s'entend, là. Oh, je tripe. Puis, il a pas été l'enfer. Ça m'a pris genre, 6 jours. Puis, je l'avais terminé. Donc, vraiment, là, regardez-moi ça, ce beau Chucky. Oh, wow! Il est de toute beauté! Hein? Vous me le direz en commentaire si vous aimez vraiment Chucky. Pas le film, là. Le DP. Donc, ensuite, ça fait longtemps que je vous l'avais montré, celui-là. Mais je ne l'avais pas fait en vidéo. Donc, puis je ne l'avais pas non plus commencé. Mais là, je l'ai fini. Oui, oui. C'est ma clé de sol. Oh, ma fabuleuse clé de sol, là. Elle pète de couleurs, elle est belle. Oh, elle est de 1000 feux. Vraiment, là, je suis aux anges. C'est plein de couleurs. Puis c'était le fun à faire, là. Ça aussi, là, ça m'a pas pris de temps. Je pense 6 jours encore. C'est vraiment, là, de toute beauté. Pour 6 jours, c'est pas long. Mais, yay! Ça va être vraiment beau, là. Mais que je l'encadre, ça va être de toute beauté. Bon, et là, mes cheveux, là, hein, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils tombent tout le temps. Le dernier que je vais vous montrer, il est pas fini. Parce que c'est pas moi qui a fait, hein, c'est ma fille. Puis là, ben, je me suis dit, hein, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas montré, donc je vais vous montrer où elle est rendue. Et voilà. Elle a fait un peu de bas. Oui, oui, oui. Elle commence par le bas. Hein. Au lieu de commencer par le haut, comme moi je fais, elle commence par le bas. Donc, c'est vraiment de toute beauté. En tout cas, une fois fini, là, ça va être vraiment très, très joli. Oui. Ça va être joli. Ça va être de toute beauté. Moi, en tout cas, là, présentement, tout ce que je suis en train de faire, je suis aux anges. Je trippe au bout et c'est pas fini. J'en ai plein d'autres qui s'en viennent. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est une petite vidéo, une courte vidéo que je voulais vous montrer, mes DP une fois fini. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous allez pouvoir faire un thumbs up et vous pouvez écrire des petits commentaires. J'aime ça vous lire. Donc, sur ce, à très bientôt!